Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda CR-Z de 2010. It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. And I can feel but you love for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. Oh, 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 oh. I'm losing control. Allez, c'est parti pour le test de cette CR-Z. Donc si vous ne connaissez pas ce modèle, eh bien sachez que c'est un petit coupé sport hybride de chez Honda. Ce modèle est de 2010, il s'agit donc d'une phase 1. Le 2010, c'était la première année de commercialisation de ce véhicule. Le véhicule qu'on m'a prêté aujourd'hui est dans la finition la plus luxueuse de l'époque, qui s'appelle tout simplement Luxury. La grosse particularité de ce coupé sport, c'est le fait qu'il soit hybride et hybride avec une boîte mécanique, ce qui est extrêmement rare. D'ailleurs, je ne connais pas d'autres véhicules hybrides qui seraient couplés à une boîte mécanique. C'est un véhicule hybride, donc il y a tous les moyens pour gagner en consommation. Là, vous le voyez, je me suis arrêté. Le stop and start qui s'arrête, enfin qui arrête le moteur, histoire de gagner en consommation. Je suis sur le mode économique. Cette voiture, bien que ce soit un coupé sport, a clairement été conçue pour avoir une consommation extrêmement basse. Je vous l'ai dit, elle est hybride. C'est un hybride assez particulier car contrairement aux autres hybrides qu'on peut connaître par exemple chez Toyota, eh bien là, vous ne pouvez pas rouler directement avec les moteurs électriques. Les moteurs électriques, le moteur électrique plus exactement, est là uniquement pour aider le moteur lorsqu'on le sollicite vraiment fort, mais vous ne pouvez pas rouler que en électrique. Le moteur thermique est obligatoirement en fonction. D'ailleurs, ce moteur thermique, il s'agit d'un petit 4 cylindres, un 1,5 litre. Le moteur fait 110 chevaux environ et vous avez 15 chevaux de plus en électrique, ce qui fait un total de 125 chevaux. Actuellement en ville, j'ai tout de suite mis le mode économique. Vous avez trois modes en fait, le mode sport, le mode normal et le mode éco. Le mode éco, bien sûr, c'est celui qui est le plus fait pour consommer le moins possible. Vous avez une réponse à l'accélérateur qui est assez molle. Clairement, c'est pour économiser du carburant. Là, en ville, la voiture se conduit super facile. Le volant est assez petit. Ça fait un peu penser à ce qu'il y a maintenant chez Peugeot sur pas mal de véhicules de cette gamme. Le fait d'avoir un petit volant cuir comme ça, ça donne un côté sport. Parlons un petit peu de l'esthétique de cette voiture. Donc, lorsqu'on regarde l'aspect extérieur, ils ont essayé de reprendre un design qui fait référence à l'ancienne Honda CR-X. Cette CR-Z a un look donc un peu tronqué à l'arrière. À l'arrière, on retrouve un haillon vitré avec deux parties vitrées différentes, ce qui fait référence clairement à la CR-X. Ça ressemble aussi un petit peu à ce qu'il y avait sur la Mazda MX-3. Le design, c'est sympa, mais par contre, c'est totalement à l'inverse de la logique concernant la praticité. Le fait d'avoir cette coupe qui repart un peu vers le bas et un toit assez bas fait que pour les places arrière, il est quasiment impossible de mettre des adultes, même des enfants, un tout petit peu grands, quoi. C'est quasiment impossible de mettre quelqu'un. Alors, le problème en fait quand on essaie de se mettre aux places arrière dans cette voiture,
C'est pas vraiment un problème de taille au niveau du siège, parce que avec le siège avant assez remis vers l'avant, on arrive à rentrer sans trop de problèmes. Forcément, j'ai les genoux qui sont pas loin du dossier, mais j'ai déjà connu pire dans d'autres voitures. Là, le gros problème, c'est la hauteur sous plafond. Vous le savez, moi je suis pas grand, je fais que 1m70, et déjà, je suis obligé de me plaqué vers l'avant, j'ai le dos courbé, je ne peux pas lever la tête, c'est quasiment inutilisable pour n'importe qui ferait plus d'1m50 en fait. Donc ça c'est un coupé sport, 4 places sur la fiche technique, mais franchement c'est un 2 plus 2, voire même un 2 plus 1, parce que là, mettre deux enfants derrière, c'est déjà compliqué. Mais pour revenir sur le style, la voiture est assez basse, et elle a un look vraiment un peu sport et atypique. Moi, j'apprécie beaucoup. On retrouve des aspects esthétiques qui rappellent forcément aussi le côté un peu écolo et hybride. Vous avez par exemple les deux phares à l'avant qui ont des espèces d'inserts en bleu à l'intérieur, ce qui est assez fréquent sur les véhicules hybrides ou carrément électriques. C'est assez joli, mais c'est purement du design, hein. L'éclairage n'est pas vraiment bleu. Bon, un des aspects les plus importants dans cette voiture, c'est l'habitacle. Déjà, l'intégralité du tableau de bord est dirigée vers le pilote, ce que moi j'apprécie beaucoup, parce que c'est un design qui se fait plus vraiment actuellement. Et le plus gros point fort, c'est le tableau de bord. C'est un tableau de bord essentiellement numérique. Vous avez que le contour qui est encore avec une aiguille. Et vous avez une multitude d'informations, c'est vraiment super. En plus, il est rétroéclairé bleu, ce qui est assez classe. Et surtout, le rétroéclairage change en fonction de votre conduite. Si vous roulez cool, vous êtes en mode de recharge de la batterie, vous avez un rétroéclairage vert. Et si vous accélérez, là, c'est le moteur électrique qui aide le moteur thermique et vous avez donc un rétroéclairage bleu. Et ça change en fonction de vos accélérations. Et ça, je trouve ça vraiment super cool. Vous avez la vitesse qui est affichée avec un espèce d'hologramme, je ne sais pas comment expliquer, en plein milieu du compteur. C'est vraiment classe. Et encore en plus, un petit afficheur qui vous donne toutes les infos que vous pouvez avoir besoin, le nombre de kilomètres que vous pouvez encore parcourir, la vitesse moyenne, la température, enfin, vous pouvez tout faire défiler avec les boutons qui sont sur le volant. Là, je vois que ma consommation moyenne, elle s'établit à 10 litres au 100. Ce qui est complètement aberrant, c'est juste que je viens juste de le remettre à zéro et j'ai accéléré un peu fort. Cette voiture, en niveau consommation, elle est donnée par le fabricant pour environ 6 litres au 100. Le propriétaire, lui, il roule pratiquement que en mode sport et sa consommation est d'environ 7,5 litres au 100. Donc, c'est pas une voiture, si on l'utilise en mode sport, qui consomme si peu que ça. Mais elle est clairement faite pour vous inciter à rouler en mode éco, à rouler cool et à essayer de baisser votre consommation au minimum possible. Et pour l'instant, j'adore justement cet aspect graphique qui incite à être sur la recharge de la batterie, à rouler sur le couple. Je trouve ça vraiment cool. Alors, zone avec des pavés. Les suspensions lissent complètement. Il y a bien sûr quelques vibrations, mais ça marche plutôt bien. On est toujours en ville, donc pour l'instant, je reste sur le mode éco. Et la conduite est sympa. C'est pas une conduite performante, c'est juste normal, quoi. Si j'essaie de réaccélérer, tout de suite, ça reprend, hein. Mais on voit bien que la consommation est extrêmement dépendante sur nos accélérations en fait. Il suffit que j'accélère un tout petit peu et je vois la consommation instantanée qui grimpe mais à mort. La batterie de ce véhicule, c'est un hybride, elle n'est rechargeable que par votre conduite. Si vous ne pouvez pas la recharger via une prise par exemple. Le moteur fait très peu de bruit, on l'entend presque pas. Les seuls bruits que je peux entendre, c'est l'échappement. La seule modification que le propriétaire a fait sur cette voiture, c'est justement l'échappement. Il en a mis un de la marque Spoon.
suis en côte et il faut vraiment que je monte dans les tours pour que ça marche. Hein. En mode écho, là, il faut que je monte au moins à 4000 tours pour que ça avance vraiment. On sent que c'est pas un gros moteur. Allez, je vais me mettre en mode normal maintenant. Instantanément, lorsque j'ai changé de mode, on sent que la réponse à l'accélérateur n'est pas la même. Ouais, ça accélère, c'est nettement plus vif à l'accélération en mode normal. Et j'ai l'impression aussi que le... Comment dire ? Le frein est aussi plus performant, c'est assez bizarre. Ouais, ça marche nettement mieux. Bon, je vais me mettre carrément en mode sport. Allez, petite côte et c'est parti. Donc là, le rétroéclairage de l'écran passe en rouge. J'accélère un bon coup. Ouais, ça marche pas mal, mais c'est lourd. Hein. Faut rester dans les tours. On sent que le véhicule est vraiment lourd de l'avant. Ça tient bien le pavé, hein, mais... On a vraiment l'impression de tenir une brique, en fait. C'est assez bizarre. Et... Les sièges baquets, même s'ils sont super confortables, ils n'ont pas de maintien latéral en fait. Quand je commence à essayer d'aller vite, je me balade un peu. Allez, il n'y a personne derrière, un petit freinage. Ça freine bien. Ça freine fort. Bon, je peux comprendre franchement que le propriétaire reste en mode sport, parce que le comportement n'est pas du tout le même. On a, là, ce coup-ci, on a vraiment l'impression d'être dans un véhicule un peu plus puissant. Quoi. Allez, j'accélère, je remonte à 80. 4000 tours, 5000 tours, 6000 tours. Donc la zone rouge, hein, elle commence à 6500 tours. Et globalement, on sent qu'à partir de 5000, ça sert pas à grand-chose de continuer d'accélérer en fait. La boîte de vitesse, elle est bien étagée, hein. C'est une boîte 6, et elle est assez agréable. Le pommeau de levier de vitesse, il est recouvert de cuir et d'un espèce d'insert en aluminium, sauf que l'aluminium, il vieillit assez mal. Hein. Dans un rond-point, ça tient bien la route, mais en fait, j'arrive pas à décrire la sensation. Il y a peu de temps, j'ai testé la 206cc, et c'était un véhicule qui faisait à peu près la même puissance, à peu près le même poids. Celle-ci fait 1,2 tonne, donc on est sur des véhicules assez approchants sur les caractéristiques. Mais je saurais pas comment dire, parce que j'ai l'impression que celle-ci tient aussi bien la route, peut-être même mieux que la 206cc, mais bizarrement, on a l'impression que celle-ci est encore plus lourde. Je ne saurais pas vous expliquer, mais il y a une sensation. C'est peut-être en fait la direction assistée électrique qui fait cette sensation un peu bizarre lorsqu'on commence à essayer de rouler un peu vite. Bon, clairement, pour l'instant, le mode le plus agréable, c'est le mode sport. La voiture réagit beaucoup plus vite, le freinage marche mieux. Au niveau de la sensation au volant, c'est un petit peu plus précis. C'est vraiment dommage que les sièges soient pas assez baquets, parce que on sent que c'est joueur quand même. J'ai une meilleure sensation en finale dans cette CRZ que sur la 206cc. Et comme je vous l'ai dit pourtant, hein, les performances sur la fiche technique sont relativement similaires. Là, vous voyez, je prends une courbe assez vite et je m'écrase complètement sur le côté. Et on sent que la voiture, elle veut se barrer aussi. Petite insertion sur l'autoroute. Ça ne pose aucun problème. La voiture a largement la patate. Ça peut paraître bizarre, mais c'est un véhicule qui se conduit essentiellement sur le couple. C'est à bas régime qui donne le meilleur. C'est assez bizarre pour un véhicule de chez Honda qui nous a habitué avec des VTEC qui marchaient vraiment haut dans les tours. Là, non, ça marche plutôt à bas régime. Mais si vous avez une conduite normale sur la route, vous n'avez pas vraiment besoin de plus en fait. Hein. Elle est agréable à conduire. Là, vous voyez, je suis sur l'autoroute stabilisée à environ 110-115. Je suis en 6e à 2500 tours et je consomme 5 litres au 100. Donc si vous voulez
rouler sur l'autoroute, c'est faisable. Et là, je suis en mode sport. On va voir si ma consommation baisse si je me repasse sur l'autre mode. Je suis passé en mode éco. Et d'un seul coup, j'ai gagné, sur ce qui est affiché, j'ai gagné 1 litre au 100. Et je m'aperçois aussi qu'en mode éco, ça m'oblige à appuyer beaucoup plus fort sur l'accélérateur pour maintenir la même vitesse. Bon, non, en fait, globalement, si je reste à la même vitesse, je m'aperçois que ça change pas grand-chose. Hein. Je reste à peu près à 5 litres au 100. C'est trompeur. Parce qu'au moment où vous allez appuyer justement sur le mode éco, vous avez tout de suite la consommation instantanée qui chute parce qu'en fait, pour le même appui sur la pédale, bah le véhicule va aller beaucoup moins vite. C'est difficile à expliquer. Comme je vous l'ai dit, hein, on est sur la finition luxe de l'époque, ce qui implique ces sièges en cuir. Et dans la finition luxe, vous aviez aussi comme gros avantage d'avoir ce toit panoramique vitré. Ce toit n'est pas ouvrant malheureusement, c'est uniquement panoramique. On peut le fermer si jamais vous avez trop de luminosité en été par exemple. Mais là actuellement, allez, je le laisse parce que c'est vraiment super, moi j'adore. Il y a pas mal de luminosité dans la voiture. Quand on regarde ce véhicule de l'extérieur, on s'aperçoit que pratiquement toute les vitres, que ce soit celle du toit ou celle de derrière, sont très teintées, elles sont teintées très très foncées. Et ça, c'est d'origine. Quand on est de l'extérieur, donc on voit presque pas ce qui se passe dans la voiture, mais de l'intérieur, il n'y a aucun problème. Là, on voit très bien, alors qu'il fait un temps assez gris, il y a peu de luminosité à l'extérieur, et pourtant, je vois parfaitement bien ce qui se passe devant, derrière. Autre petit problème du design dont je parlais tout à l'heure avec ces espèces de deux vitres sur le haillon, ça fait qu'on a une barre lorsqu'on regarde derrière. Là, il y a le propriétaire de cette voiture qui me suit avec ma voiture. Et globalement, je vois ma voiture, mais lui, je ne vois pas parce qu'à chaque fois, j'ai la barre de séparation des deux vitres qui est juste au niveau de son visage. Un des défauts de cette voiture, clairement, c'est le coffre. Il est assez petit. Tout simplement parce que à l'arrière, vous avez la batterie du système hybride. Donc forcément, ça limite la place disponible pour du rangement. Mais en plus, Honda, ils ont clairement merdé quand ils ont fait le design de ce coffre à l'arrière. Car si on regarde sous l'espèce de plancher, vous retrouvez un espace en polystyrène qui vous permet de trouver tous les accessoires qui peuvent vous permettre de dépanner la voiture ou de changer une roue. Mais ça a été très très mal fait parce que il n'y a pas beaucoup d'accessoires en fait qui sont rangés là-dedans, mais tout l'espace disponible est pris par cette espèce de polystyrène. Je pense clairement que en refaisant le design de ce bac en polystyrène, ils auraient pu améliorer largement l'espace de stockage disponible dans le coffre. Malheureusement, là on doit se contenter d'un tout petit coffre en fait, mais heureusement le coffre il est plat, donc vous pouvez mettre des choses assez facilement et vous pouvez l'étendre en baissant les deux sièges de devant. Dans le coffre il y a aussi un genre de rideau qui permet de dissimuler les affaires que vous avez pu mettre à l'intérieur. Ce rideau est démontable, ce qui fait que vous pouvez vraiment transformer votre coffre en quelque chose de relativement grand. Bon, sur les autres espaces de rangement, vous en avez dans les portes, vous avez bien sûr une boîte à gants. À l'arrière, il n'y a aucun rangement. Vous avez quand même, si vous êtes à la place arrière, l'accès à un porte-gobelet qui est sur la console centrale entre les deux sièges avant. Mais globalement, il n'y a pratiquement pas de rangement pour l'arrière. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand on passe du mode sport au mode éco, on a l'impression que la voiture, elle ralentit toute seule. Eh bien, vous avez le phénomène inverse quand vous passez de éco à sport. Dès que vous appuyez sur le bouton, vous avez l'impression que la voiture se met à accélérer toute seule. Tout simplement parce que la pédale d'accélérateur est beaucoup plus sensible instantanément. La grosse question, c'est est-ce qu'on réussit réellement à gagner en consommation en étant tout le temps en mode éco? Je ne suis pas convaincu en fait. C'est plus votre façon de conduire qui va jouer sur la consommation plutôt que le mode qui est sélectionné. Le mode, lui, il change la réponse à l'accélérateur, mais il ne change pas la puissance moteur. Donc globalement,
Le mode éco est peut-être plus là pour vous apprendre à avoir une conduite coulée, à éviter que vous fassiez des accélérations trop franches, mais je pense pas que ça joue énormément sur votre consommation. En fait, cette voiture, quand on a goûté au mode sport, les autres modes, c'est juste un calvaire en fait. Au début, quand j'ai découvert la voiture, j'étais en mode économique et ça me semblait tout à fait normal. J'avais l'impression de conduire une voiture banale quoi. Mais quand on passe du mode sport au mode éco, mais on n'a vraiment pas envie de retomber en mode éco. Hein. Là, je me mets en mode normal, tiens, histoire de changer. Bon, j'ai pas parlé pour l'instant de la finition et des plastiques. Globalement, j'aime beaucoup le design de cet intérieur. Par contre, la finition, c'est plutôt moyen. Tout ce qui est plastique noir, c'est des plastiques qui sont durs, même s'ils ont un effet texturé. C'est des plastiques durs, c'est plutôt moyen. Après, il y a même des plastiques noirs durs qui n'ont même pas d'effet texturé. Donc, dans le temps, ça vieillit bien, mais c'est pas qualitatif. Vous n'aurez pas une impression de luxe avec ça. Et le gros défaut pour moi de cet intérieur, c'est toute la deuxième partie qui est dans un plastique texturé lui aussi, mais dans un gris clair, franchement dégueu. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ça, mais ça va pas du tout. C'est très très moche. Sur les portes, vous avez quelques tissus qui sont pas trop mal, mais pareil, le choix des couleurs est pour moi assez discutable. On peut vraiment faire de l'éco-conduite, hein. Le moteur est souple, hein. Je suis à 1500 tours à 50 en 6e, et la voiture elle roule. Hein. C'est sûr que comme ça, j'ai zéro patate. En même temps, la voiture a été conçue pour être utilisée comme hybride écologique, donc faut pas s'attendre à des performances de ouf. Hein. Allez, je me remets en mode sport parce qu'on s'ennuie vraiment trop sur les autres modes en fait. Et là, ça accélère tout seul, en fait. Ouais, en fait, c'est vraiment une bagnole qui est faite pour se marrer aux vitesses légales, en fait. Vous accélérez un peu fort à faible vitesse. Il y a le moteur plus le moteur électrique qui s'enclenche. Là, il y a un bon couple. On a l'impression, dans ces situations-là, d'avoir plus que 125 chevaux. Et à mon avis, c'est le couple du moteur électrique qui donne cette sensation. Par contre, si vous essayez de rouler vraiment fort, vite, la voiture est trop lourde et pas assez puissante. Hein. Nous voilà de nouveau dans une succession de virages. On va essayer de se marrer un petit peu. Ah là là, ce que c'est lourd. C'est délirant. Ça freine super bien par contre. Faut tenir la bagnole aux réaccélérations. On sent qu'elle a du mal à prendre, à prendre le virage. Elle veut aller un peu tout droit. Ça tient bien la route, hein. Ça s'ouvre pas vraiment, mais on sent qu'il y a une réticence. C'est un peu dans le même genre qu'avec la 206cc. Là, je suis en train de m'amuser. Et je reste tout le temps à bas régime, je suis jamais au-delà de 4000 tours en fait. Il est temps de conclure maintenant pour cette CRZ hybride. Donc globalement, vous l'aurez compris, c'est un véhicule qui s'adresse vraiment à un marché de niche. Vous devez, pour acheter cette voiture, aimer les voitures avec un look un peu sport, les véhicules rares. Mais que vous voulez à côté de ça, pas forcément une puissance de dingue. Et un truc qui consomme pas trop. Donc déjà, c'est une clientèle assez restreinte. Et surtout, vous n'avez pas besoin des places arrière. Si vous voulez des places arrière, n'achetez pas cette voiture, vous allez galérer totalement. Si vous avez des questions concernant cette CRZ, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Je remercie encore l'abonné qui a fait le déplacement pour me prêter cette voiture. C'était super sympa de sa part. Si vous désirez que je fasse le test de votre véhicule, n'hésitez pas à me contacter. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Si vous possédez ou si vous avez possédé cette petite CRZ, n'hésitez pas à nous donner votre avis et votre ressenti sur ce véhicule dans les commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez bien sûr aller sur ma page Tipeee ou me soutenir gratuitement avec Utip.
Allez les amis, je vous embête pas plus longtemps et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Veille à tous.